Je m'appelle Mathilde, je suis étudiante en 5e année à l'Institut National du Patrimoine, en spécialité peinture. Je travaille sur une peinture murale qui représente Saint-Brice et qui provient de la collégiale de Loches, en Indre-et-Loire. Il s'agit d'un enduit peint déposé datant de la période médiévale, plus précisément l'époque romane. Je souhaitais travailler sur un objet provenant d'un monument historique, encore conservé in situ. Je cherchais une peinture murale qui puisse être déplacée. Dans ce sens, j'ai contacté la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles en région Centre-Val-de-Loire, et ils m'ont proposé cette peinture qui répondait à mes attentes. Mon âme d'historienne de l'art voyait ce que c'était. Par contre, mon œil de restauratrice ne comprenait pas ce que j'avais sous les yeux, puisque généralement les peintures murales sont dans un contexte, sur un mur, et celle-ci était hors contexte. C'est une peinture murale romane, il y en a assez peu qui sont conservées en France, d'autant plus dans cette région, j'avais envie d'en savoir plus.